mets du sel là. C'est pour ceux comme elles arrivent de la mer, tu sais, ouais. Pour pas qu'elles soient les jetées direct dans l'eau douce, pour pas qu'elles soient trop fatiguées, tu vois. Ah d'accord. On les laisse dans l'eau salée pendant 24 heures et ensuite on les passe dans l'eau douce. Mathéo, quelle est la technique de pêche alors? Alors la technique de pêche pour les civelles, on vient fixer des tamis de diamètre d'un mètre vingt, 1m20 de diamètre, de chaque côté du bateau. Et on vient naviguer pendant 5-6 minutes. Et on les remonte au bout des 5 minutes. Et en même temps dans la marée, il faut qu'on cherche la profondeur. Ça peut très bien être en surface, en haut, au milieu ou à bout de manche. Il faut chercher où est-ce que trouver le poisson. Il y en a beaucoup là ? Il y a peut-être 100 grammes. Plus j'enfonce, plus il y en a. J'ai entendu parler que vous aviez des quotas. C'est quoi ces quotas? Ces quotas, c'est des autorisations de pêche qu'on a par bateau. Donc on a une partie qui va pour la consommation et une partie qui va pour le repeuplement. Donc ce qu'on est en train de faire cette nuit, c'est une partie qui va aller au repeuplement pour les rivières françaises.
vois, on les laisse un peu s'égoutter comme ça pour retirer toute l'eau. Moins un kilo. Non, j'ai déterré la caisse. Il est clair. Alors, ça c'est nos carnets. On est le 20. Ouais, c'est nos carnets de fin de marée. On doit remplir les poids, sur quel lot ça a été pêché, tout ça. À chaque fin de marée. Et ça, c'est pour les affaires maritimes, quoi. Ouais, c'est obligatoire. Tu te fais arrêter, t'as pas fait ça, tu prends 5000 euros d'amende et 50 suspensions de licence. Ah ouais, en rentrant avec les bestioles dans le coffre, quoi. Ouais. Le camion, on n'a pas le droit d'être démarré avant. Ah oui. Tac.